Salut tout le monde, The Great Merlin est ici, et bienvenue dans un nouvel épisode de Subnautica. Et tout de suite, la suite de nos aventures. Bien. Bon, évidemment, il va falloir construire un truc pour faire de l'eau, là. Je vais pas choper un poisson pour un moment. Ah, j'ai oublié la cerise sur le gâteau. Évidemment. Ah ah! Et ça, je peux me le construire aussi. Bon, suite du programme. Il faut se construire un canon à répulsion et on a un life pod à aller voir. Donc je propose qu'on fasse d'une pierre deux coups. Qu'est-ce qu'il me faut ? Kit de câblage, pile titane. J'ai titane et j'ai une pile qui traîne. Ça, on va mettre là en attendant. La question, c'est comment est-ce qu'on fait un kit de câblage ? Alors, tout doit être mis ici. Kit de câblage, il me faut 2 minerais d'argent. Mais j'ai tout ? Pile ! Elle est où ma pile ? Ma pile usagée ? Ah, elle est là. Ouf. Nickel ! Putain, mais c'est que des bonnes nouvelles. Tout va comme sur des roulettes. Comme quoi, quand on accumule des minerais, mine de rien, tout va plus vite. Mieux vaut être prévoyant, hein. Donc ça, c'est nickel. Ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'on va pouvoir retourner dans l'Aurora. Et explorer un petit peu plus. Je propose qu'on aille voir. Welcome aboard, Captain. C'est quoi ça, Captain Keen, on s'en fout de ça. Emplacement proposé. Ah ouais, non, ça je peux pas aller, c'est trop profond. Moi, c'est là que je veux aller. Allez, on va aller explorer par là-bas. Et après, on retourne à l'Aurora. On avance bien, franchement, on avance bien là. Ça fait 49 minutes que je joue et. On a déjà rempli les deux objectifs que j'avais prévus. Ouh, je fais du slalom. Le problème, c'est que mon truc il ne peut aller qu'à 200 mètres de fond. Vous vous doutez bien que, à certains endroits, c'est plus que 200 mètres de profondeur. Hein. On est encore nulle part, point de vue exploration. Donc ici, normalement, on va retourner dans la Mushroom Forest, la forêt des champignons. Ah putain, fais chier, je pensais que... Ah, fais chier. Mais putain, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'évalue très mal mes trucs. Ah ah. Ah. Ouais, ta gueule. Ah non, je devrais être plus sympa avec elle. Pitié, donne-moi des trucs cool. Quoi, c'est tout ce qu'il y a ? Il n'y a rien qui traîne. Regardez les alentours, mais s'il n'y a qu'un PDA, tant pis. Ah, je suis déception. Je suis déception. Disappointed! Profil Transgouv est indépendant de Mongolie. Lorsque les hostilités de l'expansion prirent fin, la valeur tactique d'un certain nombre de systèmes, blablabla. Comme j'ai dit, un jour je vous ferai un résumé. Ah, voilà, capsule de survie, journal vocal de l'émissaire. Cherishers and sustainers of worlds, give me this day my daily pleasures, as I give to those who seek pleasures from me. External temperature approaching critical levels. Show me the path in life, truth, and love, for mine is the power. I am the one, on and off and on again. Impact imminent. Life is a game which the universe.
myself. I am done playing as this bundle of flesh. Return me. Bon. Encore un qui est mort. On va faire les foufous et on va à l'Aurora. Parce que j'ai rien chopé d'intéressant ici. Il est où l'Aurora? Tout droit. Ouais, je sais que ma bouffe et mon eau ne sont pas très élevées, mais il y a de quoi manger et boire sur l'Aurora. Donc je compte un petit peu là-dessus. On va essayer de pas mourir cette fois. Avec le feu. Est-ce que j'ai pris un extincteur? Ça peut être intéressant ça. Je crois que j'en ai pris un. Ouais, ouais. Bon, on retourne sur ce vaisseau de malheur. Pourquoi? Ah oui, il me faut un cutter laser aussi. Donc j'espère trouver ça sur l'Aurora, ce serait bien. Mais si je le trouve pas sur l'Aurora, c'est un petit peu la merde. Parce que le cutter laser m'ouvre des portes, littéralement. Dans les épisodes précédents, je vous ai parlé d'un truc qui rôde, qui me foutait vachement les boules. Ah bah, dis donc. Lui, je l'ai pas exploré, hein. L'heure à créature. Ça, c'est intéressant pour plus tard. J'étais pas censé le trouver maintenant, hein, lui. Mais bon, c'est pas grave. Je disais donc que je vous ai parlé d'un truc qui me faisait flipper. Mais vous ne l'avez pas vu, ce truc. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller très prudemment vous montrer pourquoi j'ai les boules comme ça. Très prudemment, j'ai dit, hein. Je sais pas où il est. Parce que comme je vous ai dit, il y a une créature qui s'appelle... On se casse. Oh putain. Mais j'ai eu peur avec l'autre con là qui est venu en même temps, hein. Putain, quoi. C'est pas ici. C'est pas ici l'entrée. C'est pas grave, on va quand même accoster ici. Oh putain, qu'est-ce que j'ai les boules. On va prendre le couteau. Je vais vous montrer quand même à quoi ça sert le canon réduction. Hein. J'ai vu qu'il y avait... Ah oui, mais ici, on est à un autre endroit. En fait, c'est un peu le même principe que dans Half-Life. Je me venge. Y a moyen ou pas ici? J'ai pas fait exprès de trouver l'autre passage. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Je crois que ça me fait gagner du temps. Oui, 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 on va trouver ça assez vite. Extincteur. Il y a une cafétéria dans le vaisseau, en fait. Aïe! Je sais pas du tout si je suis... que je prenne un mon Seaglide de ma lampe de poche. Attention. Ah, vous voyez, ici, il me faut le cutter laser. Ah putain, ouais, bon, ok, je suis pas du tout à l'endroit où il faut être. Donc je reviendrai ici une autre fois. Ici, j'aimerais bien trouver... Parce qu'en fait, il y a un code, hein. Et je sais que j'ai les codes, mais... Putain, comment je fais pour sortir d'ici?
Je repasserai ici. Ah non! Ah mon cauchemar! Putain, c'est pas pour claustrophobe, ça lag à mort! Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Ouais. J'aimerais bien. Bon. On repassera. Il faut. Là, je vais faire le barbare, mais il faut que je trouve un poisson. Parce que mon calcul a été très mauvais. Et ça lag. Donc, hop, à la barbare. Et vous avez vu, il n'empêche, hein, le Léviathan. C'est flippant, hein. Évidemment, je ne vais pas en trouver. Oh, allez, vite. Vite. Il était où l'autre passage? Par ici. Et hop, on va foncer. Oh putain! Non. Putain, si je sors dans l'eau, ça va pas le faire. Allez, fonce, putain! Mais pourquoi t'es si lent? Rouille-toi, putain! Oh, fais chier, putain, j'ai encore fait n'importe quoi. Allez, grouille-toi! Il est lent parce qu'il a soif, c'est une blague ou quoi? Et j'ai plus rien à boire. Allez, grouille-toi! Il y a une cafétéria remplie d'eau et de bouffe. Si tu te grouilles, tu pourras manger à ta faim et boire à ta soif. Ah, ça va être juste, hein. Allez, j'ai reçu un message. Allez, hop. Putain, que d'aventure. Allez. Et normalement, les deux zones par lesquelles on peut rentrer correspondent, hein. Donc, je sais aller d'un endroit à un autre. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut, hein, pour pouvoir aller chercher à boire. Allez, grouille-toi, s'il te plaît. Grouille-toi. Je t'en supplie, grouille-toi, putain. Il est lent, mais qu'est-ce qu'il est lent. Allez. Faut que j'aille dans la cargaison. Allez, hop, hop. Dis-moi que je trouve une caisse tout de suite avec à boire et à manger. Mon Dieu. Allez. Dégage. S'en fout. Dégage. Avance. Putain, mais grouille-toi. Oh non, il faut un code. Oh putain, me dis pas que j'ai encore fait le con. Oui. Putain. Ouf. J'ai jamais fait ça, ça m'est jamais arrivé. Putain, j'avais jamais vu ça, quoi. Putain, il faut vite que je trouve les codes. Les codes. C'est où code et indice? Aide mémoire. Anniversaire, semaine. 14h54. Non. Et bien voilà, c'était The Great Merlin qui jouait à Subnautica. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez bien aimé, à laisser des commentaires, à liker Facebook, Instagram, Twitter, tout ça. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de nos aventures aquatiques. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager la vidéo si vous avez bien aimé. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits cocos. Ça va être la même intro et outro pendant 3-4 vidéos. Hein. Enfin, on coupe.